Le saviez-vous ? Don Quichotte, variation fantastique sur un thème chevaleresque. Un certain Richard Strauss était un grand fan de l'histoire de Don Quichotte de Cervantes et compose en 1897 son propre Don Quichotte, un poème symphonique qu'il sous-titre « Variation fantastique sur un thème à caractère chevaleresque ». Il décide que le violoncelle incarnera le personnage de Don Quichotte, tandis que la clarinette basse, la contrebasse et l'alto joueront le motif bucolique et malicieux qui caractérise son fidèle serviteur, Sancho Panza. La plupart des aventures du chevalier sont décrites. Le combat contre le troupeau de moutons, les moules à vent ou le vol dans les airs. D'ailleurs, il paraît que Strauss lui-même se retrouvait beaucoup dans le caractère et le combat désespéré du chevalier. Oh, ça c'est toi qui le dis, mein Kind. Mais qu'en est-il du récit ? L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha est un roman écrit par Miguel de Cervantes en 1605. À la fois roman médiéval, roman de chevalerie et roman de l'époque moderne, le livre Don Quichotte est une parodie des mœurs médiévales, de l'idéal chevaleresque, ainsi qu'une critique sociale. Le personnage, Alonso Quixano, est un bonhomme très sympathique, mais surtout très idéaliste. Il finit par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte, dont la mission est de parcourir l'Espagne pour combattre le mal. Il prend la route, monté sur son vieux cheval Rocinante, et prend pour écuyer un paysan un petit peu naïf, Sancho Panza. Aux yeux de Don Quichotte, la moindre auberge est un château, les filles de paysans de belles princesses, et les moulins à vent sont des géants. José Saramago, prix Nobel de littérature, dira de la morale de Don Quichotte. Je crois qu'au fond, ce qui est tragique, c'est l'impossibilité d'être quelqu'un d'autre. Ce n'est pourtant pas un problème pour notre narrateur Elliot Génicot. Celui-ci joue Richard Strauss, qui lui-même tente de se mettre dans la peau de Cervantes, qui lui-même raconte Don Quichotte, pendant que celui-ci se raconte à lui-même moult fables. Notre spectacle propose de vous faire vivre l'écriture musicale de cette épopée. Vous y découvrirez toute une galerie de personnages, à travers nos 12 musiciens, et entendrez un Don Quichotte musical, raconté par un narrateur déjanté, tantôt Strauss, tantôt chef d'orchestre, tantôt conteur.